Bonjour les Vierges, donc je vous fais votre voyance du mois de décembre. Ces Vierges, du signe de la Vierge, mais aussi l'ascendant et lune en Vierge. J'ai déjà tiré les cartes parce que ça a pas enregistré, tant pis, mais je vais en tirer d'autres de toute façon. Les Vierges, j'ai l'impression qu'en décembre, on vous demande en tout cas de couper certains attachements que vous avez, une façon d'être, des habitudes ou des vieilles habitudes qui vous correspondent plus. On vous demande d'enlever votre masque et d'être authentique à 100%, de voir la lumière dans certaines choses et de sortir un peu peut-être un peu de l'ombre ou de ce trou noir dans lequel vous êtes. Peut-être que vous êtes mis un peu à l'écart ou que vous vous sentez pas vraiment bien, même si peut-être pas tout le monde le voit. J'ai l'impression qu'il est temps de passer à l'action, d'accord? Avec The Garden and the Gate, le jardin et le portail, j'ai l'impression que vous êtes prête en fait à entrer un nouveau chapitre, entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes prête à passer ce portail, mais encore des hésitations. On dirait qu'il y a quelque chose encore qui vous perturbe et il est temps vraiment de passer à l'action, de se bouger. Je pense qu'en décembre, vous allez être inspiré. Vous allez avoir des idées, vous allez être inspiré, vous allez peut-être avoir plus d'intuition et vous allez savoir un peu où aller. Vous allez recevoir certaines infos et servez-vous-en parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ou dont il faut parler, ou peut-être parler à quelqu'un de quelque chose qui vous perturbe, mais il va falloir être 100% vous-même maintenant, d'accord? Ne vous cachez pas, ne faites pas. Il faut parler. Peut-être qu'il va falloir parler de vos projets aussi, ou promouvoir quelque chose, promouvoir votre business ou quelque chose. En parler aux gens, venez, si c'est pour le business par exemple, aussi. D'accord? Donc décembre pour les Vierges. Bam, la Vierge, vous êtes là. Vous êtes là. Et comme j'ai dit, en décembre, la passion revient, vous allez de l'avant. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des petits voyages ou des grands voyages. Je ne sais pas, vous allez peut-être quelque part. Mais il y a une passion, il y a une inspiration qui revient et c'est bien. Peut-être que vous ne le montrez pas parce que vous êtes plutôt ce genre de personne qui ne montre pas trop quand ça va ou quand ça va pas. Vous gardez les choses pour vous, mais j'ai l'impression que les choses se débloquent. Beaucoup d'excitation, peut-être des bonnes nouvelles, une bonne nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir. Ah, ça c'est génial, je suis contente pour vous. Et je pense que vous le saviez que ça allait arriver, mais vous saviez peut-être pas quand, et c'est ça qui vous perturbait aussi. Mais il y a un débouché là, ça y est. Ça peut être au niveau du travail, vous vous sentiez peut-être déséquilibré. Vous vous sentiez peut-être déséquilibré par rapport au travail ou un projet sur lequel vous avez travaillé dur, ou un business, et j'ai l'impression que les choses se débloquent. Ça peut être aussi concernant l'argent, les finances. Ça peut être du matériel, par exemple se sentir instable par rapport à son loyer, sa maison, un terrain, je sais pas, mais les choses se débloquent et vous sentez que les choses avancent, d'accord? En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici, donc super les Vierges, hachées, tenez-moi au courant si c'est vous.